Les pâtes au riz. Petit Fanta d'abord. Aujourd'hui, on va tout simplement se retrouver car on va faire le contenu de ma trousse Back to School 2023-2024, les gars. Donc c'est parti, je vais vous présenter ma petite trousse, les gars. Voilà, assez original, bien, bien stylé, les amis. Donc voilà, on va mettre vraiment tout le nécessaire dedans. J'aurai cette deuxième caméra pour filmer, bien sûr. Les trucs quand je vais mettre dedans, parce que sinon vous voyez un peu rien, donc vous aurez deux fois une vidéo. Donc les amis, on a des crayons Criterion, des crayons de bois, des bics, encore des bics de toutes les couleurs, des crayons pour ardoise, des souris, l'école, j'ai déjà dit je crois, les surligneurs, ça je sais pas ce que c'est, et ça les amis, on a pris 20 cm alors qu'il fallait prendre 30. Et bon, l'agenda, je sais pas ce qu'il fait ici d'ailleurs, ça sera peut-être pour une prochaine. Donc c'est parti les gars, je prends ma trousse. Et là ce que je vais faire tout simplement, c'est mettre vraiment tout ce qu'il y a. Donc on va commencer par la colle. Donc la colle, voici le petit rouleau. Tadam, voilà un petit truc classique, hein, les gars. Allez hop, je démarre la caméra, cette caméra. Hop. Les amis, là comme vous pouvez le constater, du coup je vais prendre la colle et la mettre dans la trousse qui est juste ici. Hop, ça fait déjà une chose dans la trousse, les gars. Ensuite sur la table, regardez ce qu'on a. Donc là on a mon sac. Le sac, vous avez dû le voir dans la vidéo Back to School où on fait les fournitures. Donc voilà. Allez, c'est parti les amis. Ensuite on va mettre un petit crayon Criterion quand même, on sait jamais. Ça peut servir, donc voilà, le crayon, donc Bic, hein, voilà, un grand classique. Hop, on met dans la trousse, les gars. Donc là, les critériums, c'est bon. Je les mets de côté, les gars. Il y a mon chat, d'ailleurs, qui est là. Ensuite, on a les crayons de bois, les gars. Donc vraiment, les... Ah, bah, il y a mon chat qui monte. Ok. Les crayons de bois classiques. Alors, attendez, je vais poser la caméra. Les gars, du coup là on a les crayons de bois, vraiment les classiques, hein. Voilà, vraiment les classiques. Par contre les gars, il manque les gommes. Elles sont les gommes, les gars. Bon, c'est pas grave. Du coup, bah regardez les gars, excusez-moi s'il y a des bruits chelous, c'est parce que bah c'est... Il y a des trucs... Hey, le chat il fait ses griffes sur mon sac. Hey, il est tout neuf, t'es sérieuse là? Wow, ah ouais c'est ça, sans l'objectif. Donc là les gars, regardez du coup le crayon de bois. Allez Lenzo là, allez. Faire des griffes partout. Allez. Là, du coup voici ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a que 3 choses dans la trousse. Ensuite les amis, on va passer tout simplement aux 4 couleurs Bic. Donc je vais vous les montrer de plus près avec la caméra. Donc regardez, c'est parti. Donc voici ce que ça donne les amis. Hop. Tadam. Salut. Voilà. Salut. Hop. Donc hop. Je vais prendre le bleu moi, Lenzo il a pris le noir. Ah oui, donc pour ceux qui demanderont pour les fournitures de. Enfin pour la trousse de Lenzo et le cartable, il a déjà fait. Moi le cartable je ferai dans une autre. Coucou vidéo. Les amis. Voici ce que ça donne. Lenzo il est là en train de. Tu fais quoi Lenzo? Tu joues à quoi? FIFA. FIFA? Ouais. Bon les amis, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà le petit 4 couleurs. Bleu classique. Avec le bleu, le vert, le noir et le rouge. Ensuite sur la table, qu'est-ce qu'on a? On a les crayons comme ça. Donc les crayons comme ça, les gars, je pense pas qu'on va les ouvrir. Voilà. Ça, donc ceux-là, je pense pas qu'on va les ouvrir tout de suite. Ça sera plus, genre, quand il y aura plus de couleurs dans les 4 couleurs. Donc je les mets quand même de côté. Et je vais me prendre une petite gorgée de Fanta. D'ailleurs, dites-moi votre boisson en commentaire. Dans le placement de produit. La colle, on a déjà fait. Donc je peux mettre de côté. Les amis, ensuite, on a Maped. Donc on va les mettre, les Maped pour écrire sur les ardoises, mais bon moi je pense que je n'en ai pas trop besoin. Mais ça peut servir, on sait jamais. Donc je vais les mettre dans la trousse, on sait jamais les amis. Donc regardez du coup ce que ça donne, le petit stylo, bah, le petit marqueur Maped. Donc dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Ensuite les gars, on va passer aux souris Tipex. Donc les souris Tipex les gars, vraiment tout le monde a ça hein, je pense. Allez hop,
on va les sortir de la boîte. Petite souris Tipex. Donc 6 mètres, ça va, c'est quand même long. Je vous la voyais de plus près là du coup, et je mets dans la trousse. Et dans la trousse, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5. 5 articles, on va dire. On va dire ça comme ça. Ensuite, on a les marqueurs, les gars. Donc, les marqueurs. Vraiment, un marqueur. Bon, je prends celui-là, je pense. Ouais. Moi, je pense qu'il en faut deux. Donc, on va en mettre deux. Hop. Les deux sont rajoutés. Regardez ça. Donc, là, il y a 7 articles. Donc, à nouveau, dans la trousse, les gars. Et là, je pense du coup que les amis, on va. Qu'est-ce que tu fais? Il se tape l'incruste. Bon. Ah, les gommes, elles viennent d'arriver par Colissimo, la poste. Alors, les amis. Voilà les gommes, les gars, donc elles viennent d'arriver. Je viens de le dire, en fait, regardez de plus près donc ce que ça donne. Et du coup, bah oui, mais c'est les. Mais non, mais je vous le reconnaissez, les gars. C'est la gomme que j'ai utilisée dans mon clip chewing gum. Allez, c'est sûr que vous le reconnaissez, donc on va. Hop, en faire sortir. Bon, je voulais en faire sortir une. Et ça va aller tout simplement directos dans la trousse, les gars. Bon, ensuite, il y a le pack, du coup, avec... punaise, comment ça s'appelle? Une règle, une équerre et un... Je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être marqué. Il y a un rapporteur, voilà. Rapport pas. Donc, les amis, voilà. Donc, je pense que on va aller le rendre en magasin. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une de 30 cm, les gars. Voilà, parce que c'est le plus pour Lenzo. Et la trousse, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer. Hop. On va prendre le sac. Et la trousse, les amis, on va la mettre dans le sac. Donc regardez bien, je vais vous montrer. Hein. Je mets bien la trousse dans le sac, les gars. Et c'est parti. Le sac, on va pouvoir le fermer. Hop là, les amis. Je vais mettre le sac. Je suis paré pour la rentrée, les gars. Bon, il faudra juste que... Tadam, regardez ça, les gars. Je suis paré pour la rentrée. Parfait. Allez, on va se boire une petite gorgée avant de partir à l'école. Allez, c'est parti. Moi, je vais à l'école. Et pour ma part, je vais vous dire à la prochaine. Tchuss.